Le muscle grand pectoral peut être visualisé dans son entièreté si on demande au patient de faire une flexion des deux épaules jusqu'à 90 degrés et ensuite d'appliquer une pression entre ses deux mains. Alors, on peut bien voir le chef claviculaire ainsi que le chef sternal. Pour les distinguer, on peut demander une adduction horizontale pour bien voir le chef claviculaire et ensuite une adduction combinée à une extension, donc la direction de la résistance est vers la hanche opposée et on va bien voir le chef sternal.